razones por las que usted debería hacer hoy mismo el registro consular. 1. Facilita su localización y asistencia en caso de emergencias o desastres como la crisis actual por COVID-19. 2. Facilita la pronta comunicación con sus familiares en Colombia en caso de emergencias o desastres. 3. Le permite recibir en su correo electrónico información de mucho interés del Consulado de Colombia en el cual se encuentra registrada. 4. Hacer el registro consular le toma alrededor de 5 minutos. Ingrese a www.cancilleria.gov.co o desde su celular a la app Mi Consulado. Bonjour, bonjour à tous, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Comment ça va pour aujourd'hui? On est jeudi. Bonjour Brenda, bonjour à tous ceux qui se connectent aujourd'hui pour le cours de français. Comme d'habitude, le mardi et les jeudis à 7h, heure française, et midi, heure colombienne. Bonjour Clara, bonjour Hugo. Je suis très contente de vous voir aujourd'hui pour un nouveau cours. Je suis contente parce qu'il fait beau là où j'habite. Et c'est quelque chose de très rare pour un mois de septembre. Bonjour Samia, bonjour Marie-Isabelle, bonjour Estelle, Maribel, bonjour, bonjour. Les decía que estoy feliz porque en la ciudad donde vivo hoy está haciendo un buen día, está haciendo bonito día, cosa que no pasa en el mes de septiembre. Donc, c'est toujours des bonnes nouvelles. Donc, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se connectent. Bonjour Wilmer, bonjour Hector, Gladys. Oui, je pense que je vous ai déjà dit bonjour. Donc, on va commencer. Donc, bienvenue à nouveau pour les Français niveau débutant. Pour ceux qui se connectent pour la première fois, on a notre adresse de notre blog où vous pouvez trouver tous les liens vers les vidéos des Colombianos Sune pour les séances qu'on a eues avant, ainsi que les présentations des cours et des exercices pour s'entraîner. Para los que sean nuevos, si es la primera vez que se conectan, en este link pueden encontrar los videos de Colombia nos une, en donde hemos grabado todas las clases. Asimismo, pueden ver las presentaciones de cada curso y ejercicios para que se entrenen y mejoren. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre séance 16. On est à un tiers de ces cours. Donc, es un tercio del curso. Ya llevamos un tercio del curso. Et on est à la semaine 8 sur 24. On est jeudi. Et tous les cours sont enregistrés. Ce que je veux faire en premier lieu, c'est la révision, comme d'habitude. On va faire la révision sur les lieux d'une ville. La révision sur les lieux d'une ville. Pourquoi? Parce que on avait déjà vu le mardi avec David et le jeudi dernier avec moi des lieux de la ville. Donc, ce que je veux, c'est tester votre mémoire pour que vous m'édiciez quels sont les endroits. Donc, quiero testear su memoria visual y también para retener palabras que ya hemos aprendido. Quiero que con las fotos que les voy a mostrar, ustedes me digan cómo se llaman esos lugares. Donc, je veux que vous me disiez comment s'appellent les endroits que je vais vous montrer. Et aussi, ce que je veux, c'est savoir qu'est-ce que je peux acheter dans ces endroits. Ok, donc on va commencer. Je veux savoir comment s'appellent les endroits que je vous présente ici. Donc, ceux-ci sont des symboles, mais qui représentent
ces symboles? Quel commerce ou quel lieu représente ces symboles? Quels sont les lugares que estamos representando con estos símbolos que les estoy presentando? Je veux savoir parce que ce sont tous des choses qu'on a déjà appris en cours. Donc, je vois déjà des réponses pour celui-là, pour celui-ci, pour celui-là, pour celui-là. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je veux que vous me donniez des réponses par rapport à chaque symbole. Donc, je vois pour les premiers, déjà, vous l'avez. Donc, je vois que Maribel, Daniela, Sandy, elles répondent. Supermarché, oui. Et je vois aussi que Daniela répond avec un mot que David vous avait appris le mardi dernier. Donc, c'est la supérette. Donc, ça, c'est un supermarché ou une supérette. Un supermarché ou une supérette. Un supermarché ou une supérette. Qu'est-ce que c'est cet endroit? Comment s'appelle cet endroit? Comment s'appelle cet endroit? Qu'est-ce que symbolise ces symboles? Quel endroit symbolise ces symboles? Donc, je vois Sandy, le métro, Hugo et Marie, très bien. Oui, c'est la gare. La gare, une gare. On représente avec ces symboles la gare. Sandy, pourquoi ce n'est pas les métros? Les symboles souvent universels pour les métros, c'est une M. El símbolo universal de un metro siempre es la M. Donc, c'est pour ça que c'est une gare. Parce qu'ici, on voit un train. Ça, c'est un train. Donc, c'est une gare. Une gare, c'est là où arrivent les trains. Les trois, c'est quoi les trois? Donc, je vois coiffure. J'avais vu déjà, Esther m'avait répondu, mais je veux savoir s'il y a d'autres personnes qui connaissent le nom de ce lieu. David, vous l'avez appris le mardi. Daniela, oui, Esther aussi est là. Yahaira, tu as une partie parce que la coiffure, c'est comme c'est le peinado. La coiffure, c'est le peinado. Mais c'est l'endroit. Donc l'endroit. C'est comme en espagnol, on dit salon, salon des coiffures. Un salon des coiffures. Un salon des coiffures. La coiffure es el peinado. Es el peinado. ¿Cómo estás peinado? Donc, salon des coiffures es como el salón de peinados. En español decimos sala de belleza. Salon des coiffures. Un salon des coiffures. La coiffure. Attention aussi à la U. C'est pas coiffure, c'est coiffure. Et ici, je l'avais vu déjà, vous m'avez déjà dit, c'est une boulangerie. Une boulangerie. Et alors, qu'est-ce que je peux acheter au supermarché ou à la supérette? Qu'est-ce que je peux acheter au supermarché ou à la supérette? Qu'est-ce que je peux acheter au supermarché ou à la supérette? Que puedo comprar ahí? ¿Qué es lo que puedo comprar? Que puedo comprar? Qu'est-ce que je peux acheter à la gare? Qu'est-ce que je peux acheter ou acquérir au salon de coiffure? Qu'est-ce que je peux acheter à la boulangerie? Ok, Gladys. Ok. Paola, oui, je peux acheter des fruits et des légumes. Je peux acheter la viande, vêtements. Je peux acheter poulet, oui. Des viandes et des légumes. Qu'est-ce que je peux... Je vois un pain, l'eau. Je peux acheter légumes, fruits, viande, etc. Ok. Bah, ici, je vous présente quelques photos. Mais c'est bien, donc c'est, je peux acheter des fruits et des légumes, par exemple, mais aussi je peux acheter de la viande, du poulet, et dans des supermarchés, des grandes surfaces, je peux acheter aussi des vêtements.
Generalmente en el supermercado compramos frutas, verduras, carne, des grains comme des haricots, comme je vois dire Vilma, riz, poulet, huile, légumes. Et aussi, je peux acheter des vêtements si c'est une grande surface. Par contre, à la supérette, je ne peux pas acheter de vêtements. Qu'est-ce que je peux acheter à la gare? Qu'est-ce que je peux acheter à la gare? ¿Qué podemos comprar en la estación de tren? Qu'est-ce que je peux acheter à la gare? ¿Qué podemos comprar en la estación de tren? Vilma, oui, très bien. Très bien, très bien. Un passeport. Tu ne peux pas acheter un passeport. Carolina, ça c'est les consulats qui doivent te les donner. Les billets de train, un billet. Oui, donc ça c'est un billet de train. Un billet de train. Un billet de train. Les passages, Sandy, quieres decir, yo creo que el pasaje. Lo que pasa es que cuando tú dices le passage, en francés, le passage es como el paso, como la calle. Como se dice ceder el paso en español, en francés se dice céder le passage. Céder le passage. Entonces, le passage no es la buena palabra. Hay que decir un billet de train ou bien, si c'est pour les métros, un ticket de métro. Puede ser un ticket de métro ou un billet de train. Un billet de train. Et qu'est-ce que je peux acheter ou acquérir au salon des coiffures? J'avais déjà vu des gens me les dire, mais j'ai voulu le revoir. Qu'est-ce que je peux acheter ou acquérir au salon des coiffures? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce service? Comment s'appelle? Comment s'appelle faire ça? Je ne vois pas de réponse. Pour couper les cheveux, Diana, oui. Couper les cheveux. Une coupe, oui. Une coupe. Bravo Gladys. Une coupe. Au salon des coiffures, je peux demander à ce qu'on me coupe les cheveux, oui. Et une coupe, oui. C'est une coupe des cheveux. Je peux couper mes cheveux. Byron, hay algo que pasa en el salón de coiffure. En general, la gente dice en francés, je vais au salon des coiffures, je vais couper mes cheveux, me voy a cortar el pelo. Pero en realidad, para decirlo bien en francés, es je me fais couper les cheveux. Eso es un verbo pronominal, es como yo me hago cortar el pelo, porque yo no me corto el pelo. En realidad, yo no soy el que me estoy cortando el pelo, sino que alguien me corta el pelo. Donc, je peux me faire couper les cheveux. Ça, c'est la proposition correcte. Aussi, je peux me tendre les cheveux. Et qu'est-ce que je peux acheter à la boulangerie? Qu'est-ce que je peux acheter à la boulangerie? Je peux acheter le pain. Oui, je peux acheter le pain. Pain, croissant, oui. Pain, croissant. Je me fais couper. Si, Byron, je me fais couper les cheveux. Oui, c'est comme ça. Une baguette, des pains, le gâteau, la baguette. Oui. Donc ici, j'ai mis une photo des baguettes. Mais c'est bien, vous pouvez acheter des croissants, des baguettes, deux gâteaux, tout ça. Donc ici, je vous dis, si on complète, on met au complet tous les mots. Comment s'appelle cet endroit? Donc cet endroit, c'est un supermarché ou une supérette. Et au supermarché et à la supérette, je peux acheter des fruits et des légumes, mais aussi de la viande, des céréales, des œufs,
un peu tout. À la gare, ça c'est une gare, et à la gare, je peux acheter un billet de train. Au salon de coiffure, je peux acquérir ou je peux avoir une coupe des cheveux. Je peux avoir une coupe des cheveux ou bien je peux me faire couper les cheveux. Je me fais couper les cheveux. Au salon de coiffure, je me fais couper les cheveux. En el salón de belleza, me hago cortar el pelo. Et à la boulangerie, je peux acheter du pain, des baguettes. Du pain, des baguettes. Ça, c'est un exemple. Mais super, super. Des madeleines. Oui, Bilma, des madeleines. Tu peux acheter des madeleines à la boulangerie. Alors, on continue. Comment s'appelle cet endroit? Comment s'appelle cet endroit? 1, 2, 3. Comment s'appelle cet endroit? Ça, c'est facile. Comment s'appelle cet endroit? Comment s'appelle cet endroit? Comment s'appelle cet endroit? Vous les avez vus avec David. Pharmacie, oui. La pharmacie. La pharmacie. Une pharmacie. Ça, c'est une pharmacie. Et ça? Les deux, c'est quoi? Comment s'appelle cet endroit? Magazine des vestiments. Oui, Carolina, je comprends. Après, l'écriture, ce n'est pas la bonne, mais on va voir. Donc, je peux acheter des vêtements. Une boutique. Oui, c'est une boutique. Diana, oui, c'est un magasin. Un magasin des vêtements. Oui, c'est un magasin des vêtements. Carolina, j'ai vu que tu as écrit magazine. Magazine, comme tu l'as écrit, est une revista. Magazine es revista y magasin es tienda. Dans le courant, c'est ici un magasin de vêtements. Una tienda de ropa. Vêtements, un magasin de vêtements. María Eugenia, on ne dit pas magazine, on dit magasin. Un magasin de vêtements. Et on précise, si on dit juste un magasin, on ne sait pas qu'est-ce qu'il vend dans ces magasins. Si, hay que precisar, cuando uno dice una tienda, uno no sabe qué es. Es una tienda de ropa, una tienda de zapatos, una tienda de libros. No, no sabemos. Por eso es que ponemos un magasin de vêtements, una tienda de ropa. Y vi también que Marie decía une boutique. Aussi, une boutique, ça peut être un magasin de vêtements. Une boutique. Et ici, est-ce que vous connaissez le nom de cette boutique? Comment s'appelle ce magasin? Comment se llama esta tienda? Un magasin de montres? Oui, oui, mais il y a un mot spécifique. Sandy, oui, très bien. Vous l'avez vu mardi avec David. Vous l'avez vu avec David. Quand vous avez fait les street view avec David, il vous a montré à la fin un magasin. Marie, elle a la réponse. Magasin est masculin. Un magasin est masculin, oui, Maria Eugenia. Un magasin est masculin. Un magasin de montres, oui. J'ai vu que Marie, elle a la réponse. C'est une horlogerie. Horlogerie, ça s'appelle comme ça. Une horlogerie. Horlogerie. Une horlogerie. Une horlogerie, c'est un magasin qui vend des montres. Un magasin qui vend des montres. Une horlogerie. Des fois aussi, il y a des fois des magasins spécialisés dans la vente de montres et ce sont des horlogeries. Mais aussi, il y a des magasins qui vendent aussi des colliers, des boucles d'oreilles et ce sont des magasins des bijoux. El martes, con David, David les avait montré une tienda que vendía.
relojes, pero que también vendía collares, vendía aretas, vendía brazaletes. Y eso se dice magasin de bijoux. Un magasin de bijoux. Un bijou es una joya. Qu'est-ce qu'on peut acheter, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ces endroits? Qu'est-ce que je peux trouver à une pharmacie ou dans un magasin de vêtements, dans une horlogerie? Qu'est-ce que je peux acheter ici? Qu'est-ce que je peux acheter ici et ici? ¿Qué puedo comprar en estas tiendas? ¿O qué puedo encontrar en estas tiendas? Médecin, le médicis, le médicament, pharmacie, des médicaments, oui. À la pharmacie, je peux acheter des médicaments. Las medicinas, en français, se dicen médicaments, des médicaments. Je vais le montrer après comment on l'écrit. Des médicaments. Si on dit médecin, es médico. Un médecin es un médico. Les médicaments son los medicamentos o la droga, como dirían en otras partes de Colombia. ¿Qué que je peux acheter dans un magasin de vêtements? ¿Qué que je peux acheter dans un magasin de vêtements? Ça, c'est plus facile. ¿Qué que je peux acheter dans un magasin de vêtements? La robe. Les vêtements, oui, Bayre, tout à fait. Un pull, oui, je peux acheter un pull, une robe. Je peux acheter une jupe, oui, des robes, des jupes, des pantalons, oui, voilà, super. Des chaussures, des chemises. Très bien, vous connaissez déjà beaucoup de vocabulaire des vêtements. C'est bien. Super bien. Ya conocen mucho vocabulario de la ropa y todavía no la hemos visto del todo. Entonces, félicitations. Évidemment, je peux acheter des vêtements, une cravate, des pulls, des chaussures, des fois. Qu'est-ce que je peux acheter dans une horlogerie? Vous me l'avez déjà dit. Qu'est-ce que je peux acheter dans une horlogerie? Comment s'appelle ça? Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un montre, oui. Donc, je peux acheter à la pharmacie. À la pharmacie, je peux acheter des médicaments ou je peux trouver des médicaments. Au magasin des vêtements, je peux acheter des vêtements comme des pulls, des chemises, des robes, des jupes. Et à l'horlogerie, je peux acheter des montres. Je peux acheter une montre ou des montres. Une montre, des montres. Une montre est un reloj, pero no sé qué reloj. O relojes, des montres. Ah, très bien, bah, bravo, vous êtes vraiment très fort et je vous félicite parce que vous avez une bonne mémoire. Donc maintenant, on va passer au thème d'aujourd'hui. Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on est le 2 septembre 2021, on est jeudi 2 septembre 2021 et on va apprendre à demander son itinéraire. On va apprendre à demander son itinéraire ou son chemin. On continue, bien évidemment, avec le thème de l'espace. Le thème de l'espace, demander son itinéraire. Demander son itinéraire. Donc, on va commencer. Il y a quelqu'un, ça c'est une situation. On arrive dans une situation. Quelle situation? Les titres nous disent comment arriver à. Et on voit ici quelqu'un qui a un plan des villes, quelqu'un qui demande quelque chose,
quelqu'un qui regarde le plan. Peut-être c'est une situation pour dire « Ah voilà, je suis perdue, j'aimerais savoir comment me rendre quelque part. » Estamos aquí, vamos a entrar en situación. Tenemos a una persona que tiene un mapa de la ciudad, otra persona que mira el mapa de la ciudad y probablemente una persona que esté perdida. Je suis perdue, j'aimerais trouver mon chemin. Me gustaría encontrar el camino a algún lugar específico a donde necesito ir. Donc, on va commencer à lire. Donc, je vais vous laisser une minute pour que vous regardiez ce qui est écrit ici et que vous essayiez de le lire à voix haute en regardant toutes les règles de grammaire que David vous a déjà expliquées. Lo que quiero que hagan es que hagan un ejercicio ustedes en casa. Y es, antes de que yo lea el artículo, quiero que ustedes lo lean en su casa, poniendo atención a todas las reglas de gramática que David ya les ha explicado, para ver, para testearse si ya están comenzando a identificar cuando una palabra se escribe de una manera, cómo se pronuncia. Entonces, les voy a dejar un poquito de tiempo para que lo lean antes de que yo lo lea, para que ustedes vean, ah, ¿será que sí lo leí bien? ¿Será que todavía me falta aprender mejor estas reglitas de gramática? Donc, je vous laisse une minute pour lire. Vous me dites si c'est bon, si vous êtes déjà à la fin. Me dicen si ya terminaron, para ver si son muy rápidos. Est-ce que c'est bon? Vous avez déjà lu une fois? Est-ce que vous avez déjà lu une fois? ¿Ya lo leyeron una vez? Je ne vois pas des réponses. Je ne sais pas si je vous ai perdu. Oui, je vois oui, oui. Ok. Bah, Sébastien et Maria Eugenia, Diana aussi. Donc, on va commencer. Donc, ici, dans le texte, il y a deux personnes. Donc, on va faire... Donc, c'est ces deux personnes. Une personne qui demande des informations et une personne qui répond. À une personne qui va preguntar et une personne qui va répondre. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour, excusez-moi. Je cherche la boucherie La Parisienne. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Oui, avec plaisir. Vous prenez la rue du Faubourg Saint-Antoine, puis vous traversez le square Trousseau. Après, vous continuez sur la rue des Faubourgs Saint-Antoine, quelques 50 mètres, pour ensuite tourner à droite, rue Crozatier. Vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Vous tournez à droite, la boucherie se trouve au numéro 25. Oh, je vous remercie. Je vous en prie. Je vais le relire une deuxième fois. Et après, je veux savoir comment ça a été la lecture pour vous. Bonjour, excusez-moi. Je cherche la boucherie La Parisienne. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Oui, avec plaisir. Vous prenez la rue de Faubourg Saint-Antoine, puis vous traversez le square Trousseau. Après, vous continuez sur la rue de Faubourg Saint-Antoine, quelques 50 mètres, pour ensuite tourner à droite,
rue Crozatier. Vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Vous tournez à droite. La boucherie se trouve au numéro 25. Oh, je vous remercie. Je vous en prie. Alors, comment ça a été pour vous la lecture? Est-ce que c'était très éloigné de la bonne prononciation ou vous commencez à retenir des bonnes prononciations? Comment fue la lectura? ¿Todavía hay dificultades para leer o cómo fue? ¿Cómo les fue? ¿Cambió mucho como lo leí a como ustedes lo pensaban que se pronunciaban las palabras? Vilma, remercie es le doy gracias. Es una manera más formal de decir merci. Merci es una manera, es la manera estándar. Y je vous remercie es mucho más educado. Una palabra es más educado. Remercier es dire merci, agradecer. Carolina dice bien, bien, bien. No, pero el acento es muy difícil. Faubourg, faubourg, faubourg. Esta AO tú la pronuncias como una O. Faubourg, faubourg. Ok, je vois. Aún hay dificultades. No, pero el acento es muy difícil. ¿Hay un truco para conjugar las vocales? Clara, David ya les ha dado varios tips para distintas formaciones de palabras, de vocales. Por ejemplo, AU suena O. AU suena O. BOU se U. Boucherie. OU suena U. Pero te recomiendo volver a las clases anteriores. David, ahí en varias presentaciones les ha mostrado muchas reglas de gramática y cómo identificar las palabras. Boucherie, boucherie. Es un poco difícil porque esta parte, boucherie, no diríamos, no decimos boucherie, boucherie, porque aquí la E no está tildada. Entonces esta E suena muy bajito. Entonces se suena boucherie, boucherie, boucherie. Et Aligre, Aligre, rue d'Aligre. Porque esta E, recuerden que cuando la E no está tildada, ella no suena como la E del español. Sobre todo al final, Aligre, se dice Aligre. Aquí cuando está acompañada de Z ya sí está sonando tourné, tourné. Pero acá, cuando termina en E la palabra, ella no se pronuncia, al final no se dice Aligre, sino Aligre. Lady, no, en realidad no tiene casi nada. Pues no, la idea es que sigas trabajando. Igual apenas llevamos un tercio de del tiempo. Lo que yo les recomiendo es que vuelvan a ver partes de la clase en las que David pone mucho énfasis en la gramática, porque David es muy bueno en eso. Entonces yo les recomiendo que vean siempre esas partes y pongan mucha atención, porque eso les va a ayudar mucho para empezar a ver cómo se pronuncian las palabras y haciendo como un énfasis también en juegos de palabras. Pero, cela, c'est l'idée avec cela, c'est indiquer la destination. Donc ici, il y a une personne qui est perdue et qui cherche la boucherie parisienne. Hay una persona que está perdida y que está buscando la... Qu'est-ce que c'est boucherie? Qu'est-ce que c'est boucherie? Qu'est-ce que significa boucherie? David, vous l'avez dit la semaine dernière, le mardi dernier. Qu'est-ce que significa? Qu'est-ce que signifie boucherie? Qu'est-ce que ça veut dire boucherie en espagnol? Hugo, oui, carnicería.
Ella está buscando la boucherie La Parisienne. Está buscando la carnicería La Parisienne. Y le pregunta a la otra persona cómo llegar. ¿Cómo es que puede arriver a la boucherie La Parisienne? Donc, pouvez-vous m'indiquer les chemins? Il dit, et il commence à donner des consignes pour y arriver. Donc, on va les voir ensemble. Donc, il nous dit, vous êtes ici. Vous êtes ici. J'ai vu que vous... On va faire les chemins ensemble avec les consignes données par la personne. Comment on va arriver à la boucherie La Parisienne? D'abord, vous prenez la rue du Faubourg Saint-Antoine. Vous prenez la rue du Faubourg Saint-Antoine. Ensuite, vous traversez le square Trousseau. Le square Trousseau. Après, vous continuez sur la rue du Faubourg Saint-Antoine quelques 150 mètres. Pour ensuite tourner à droite, rue Crozatier. Vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Vous tournez à droite et vous êtes arrivé. Donc, d'abord, vous prenez la rue du Faubourg Saint-Antoine. Vous prenez la rue du Faubourg Saint-Antoine. Vous voyez ici, c'est le nom de la rue, rue du Faubourg Saint-Antoine. Vous prenez la rue du Faubourg Saint-Antoine. Puis, vous traversez les squares Trousseau. Vous traversez les squares Trousseau. Ici, c'est les squares Trousseau. Vous traversez le square Trousseau. Qu'est-ce que signifie traverser? Si je vous dis ici, vous prenez la rue du Faubourg Saint-Antoine, vous traversez le square Trousseau. Qu'est-ce que signifie traverser? Vous traversez. Qu'est-ce que signifie ça? Qu'est-ce que signifie ça? Vous traversez. Vous traversez. Gladys, Biden. Oui, c'est tous des bonnes réponses. Cruzar, cruzar la calle. Ça, c'est traverser, c'est cruzar. Cruzar, atravesar. En español, normalement, decimos cruzar la calle ou pasar la calle. Atravesar la calle, oui, c'est ça. Donc, elle doit traverser la rue, les squares Trousseau. Après, elle dit, vous continuez sur la rue du Faubourg Saint-Antoine. Quelques 150 mètres. Donc, vous continuez un peu. Vous continuez un peu encore sur la même rue. Vous continuez encore sur la même rue. Vous continuez sur la rue de Faubourg Saint-Antoine. Quelques 150 mètres. Pour ensuite, tourner à droite. Tourner à droite. Donc, tourner à droite. On tourne à droite. Tourner à droite. Vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Llegan hasta la calle de Aligre. Vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Vous tournez à droite. Vous tournez à droite. Vous tournez à droite. Vous tournez à droite. Et puis, vous êtes arrivé. Donc, c'est ça le chemin que la fille doit faire pour arriver d'un point A à un point B. Les points A, c'est une sortie de métro. Et les points B, c'est la boucherie, la parisienne. Elle a fait tous ces chemins-là pour y arriver à la boucherie parisienne. OK. Donc, on va d'abord demander l'itinéraire et la direction. Est-ce que si on est perdu, on va se mettre dans la situation. On voyage dans un pays francophone. Vamos a viajar en un país de habla francés. Y somos turistas. Entonces, normalmente nos tenemos que perder. Nos perdemos. Entonces, tenemos que preguntar. On doit demander. Demander l'itinéraire et la direction.
On doit demander l'itinéraire et la direction. Si on est perdu, on doit demander l'itinéraire et la direction. Tenemos que preguntarle a alguien cómo llegar a ese lugar. Por ejemplo, ay, necesitamos llegar a nuestro hotel, necesitamos llegar a la Torre Eiffel, necesito llegar a el lago d'Annecy y no sé cómo llegar. Tengo que preguntar. Le plus important, c'est de saluer et dire pardon, excusez, et s'excuser pour attirer l'attention de quelqu'un. Lo primero que hay que hacer es simple, saludar y lograr llamar l'attention de alguien más. Donc, bonjour, excusez-moi. Comme ça, on attire l'attention de quelqu'un d'autre qu'on ne connaît pas. Así es que estamos logrando captar la atención de alguien más al que no conocemos. Por eso es que utilizamos el tutoiement. Excusez-moi. Excusez-moi. Bonjour, excusez-moi. Je cherche la boucherie parisienne. Vous pouvez m'indiquer le chemin? Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Où se trouvent les toilettes? Où se trouvent les toilettes? Comment je peux aller à l'hôtel F1? Est-ce que l'hôtel F1 est près d'ici? Tout ça, ce sont des questions qu'on peut poser quand on veut demander l'itinéraire ou une direction. Je cherche la boucherie parisienne. Pouvez-vous m'indiquer les chemins? Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Puede indicarme el camino? Puede indicarme el camino? Où est la rue d'Aligre? S'il vous plaît. Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Bonjour, excusez-moi. Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Je veux savoir, que signifie le mot « où » ? On l'a déjà vu ensemble. Que signifie le mot « où » ? Que signifie « où » ? Que signifie « où » ? Oui, Gladys, Esther, très bien. Donde, sí. Recuerden, « où » con esta tilde así es donde. Cuando U no lleva tilde, la U no lleva tilde, es O. Esta es donde. Si no tuviera la tilde, sería O. El O del español. Où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Où se trouvent les toilettes? Ça, c'est très important. Où se trouvent les toilettes? Donde está el baño? Où se trouvent les toilettes? Trouver es encontrar. ¿Dónde se encuentran? Trouver, c'est encontrar. Trouver. Où se trouvent les toilettes? Comment je peux aller à l'hôtel F1? Est-ce que l'hôtel F1 est près d'ici? Est-ce que l'hôtel F1 est près d'ici? Tout ça, ce sont des moyens pour demander un itinéraire à quelqu'un. Por ejemplo, si ustedes tienen, todas estas son maneras de preguntarle a alguien cómo llegar a algún lugar. Pueden preguntarle dónde queda una calle. Pueden preguntarle cómo pueden ir a algún lugar. Pueden preguntarle, busco tal lugar, me puede indicar el camino. O también pueden preguntar por distancias. On avait déjà vu la préposition près de et loin de. Est-ce que l'hôtel F1 est près d'ici? Et l'hôtel F1 est cerca de aquí? O está lejos? Est près d'ici ou loin d'ici? Comme ça, on peut aussi préciser la distance. Ça, c'est une manière de demander la distance. Est-ce que la tour Eiffel est près d'ici? La Torre Eiffel está cerca de aquí? Ou bien, une personne peut te répondre, oui, c'est à 10 minutes à pied,
Ou bien, non, c'est très loin, c'est à 2 heures en train. Esa es la manera de preguntar también si algo queda cerca o si queda lejos. Mais le plus important pour moi, c'est que vous reteniez que même si des fois vous n'arrivez pas à dire les choses correctement, le plus important, c'est de rester poli. Et c'est pour ça que vous devez toujours utiliser les expressions de politesse pour demander des questions à quelqu'un que vous ne connaissez pas et aussi pour des personnes que vous connaissez. Il faut toujours dire bonjour, excusez-moi, pardon, s'il vous plaît, merci. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour madame, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'indiquer le chemin pour aller au cinéma central? Pardon, monsieur, où est la rue d'Aligre, s'il vous plaît? Et la personne vous répond, vous devez dire merci. Merci beaucoup, merci. Les recomiendo siempre. No importa que a veces se equivoquen cómo conjugar o que no tengan la mejor pronunciación. Lo más importante es ser educado. Y por eso es que tenemos que siempre utilizar estas expresiones de educadas para preguntar a una persona o para saludar o para agradecer. Bonjour, excusez-moi, pardon, s'il vous plaît, merci. Je vois Mariana Moreno qui dit comment je peux aller à le cinéma central. Mariana, c'est bien. Il faut juste, tu ne peux pas dire à le cinéma, tu dois dire. Comment je peux aller au cinéma central? Au cinéma central. Où est le cinéma central? Où est le cinéma central, s'il vous plaît? Très bien, oui. Comme ça, c'est super pour demander une question à quelqu'un. Así puedes preguntarle a alguien. Voilà. Et donc, maintenant qu'on a appris à demander l'itinéraire, on va apprendre à répondre. Vamos a ahora a apprendre à répondre à quelqu'un. Parce que la Colombie est un pays qui se développe de plus en plus dans l'endroit pour les tourismes. C'est un pays qui se développe pour les tourismes. Et ce n'est pas anodin qu'il y ait un Français qui va venir dans votre ville qui va vous demander des questions pour arriver à un endroit. Et comme vous êtes des bons élèves, vous savez comment répondre à une personne et vous allez l'aider. Ahora, en Colombia, cada vez llegan más turistas y ya no es raro que un francés alguna vez vaya a tratar de preguntarles, cómo llegar a algún lugar. Y por qué no, que ahora que van a aprender a decirlo en francés, se lo puedan responder en francés. Y lo puedan ayudar. On va voir tous les mots qu'on a utilisés pour répondre à la fille comment arriver à la boucherie la parisienne. Vous prenez la rue de Faubourg Saint-Antoine, puis vous traversez le square Trousseau. Après, vous continuez sur la rue du Faubourg Saint-Antoine, quelques 104 mètres, pour ensuite tourner à droite, rue Crozatier. Vous arrivez jusqu'à la rue d'Aligre. Vous tournez à droite. Tout ça, ces verbes-là, ce sont des verbes qui vont vous aider à indiquer un chemin. Je vous avais pas demandé, mais qu'est-ce que signifie chemin? Un chemin. Qu'est-ce que signifie un chemin? Qu'est-ce que signifie un chemin? Qu'est-ce que signifie car? Je vois pas. Oui. Luz Dani. Byron, Patricia, super, oui. Un chemin est un camino, una ruta, una dirección. Un chemin, ça peut être un camino ou una ruta, una dirección. C'est ça un chemin.
Et quels sont les verbes qu'on utilise? Donc, ici, on vous donne des verbes que vous allez utiliser pour donner des renseignements à quelqu'un. Donc, vous prenez, vous traversez, vous continuez, vous arrivez. Ce sont des verbes pour indiquer les chemins. Quels sont ces verbes-là? Donc, vous tournez aussi, vous tournez. Qu'est-ce que signifie vous tourner? Pour ensuite tourner à droite. Qu'est-ce que signifie tourner à droite? Qu'est-ce que signifie tourner à droite? Vous l'avez vu déjà sur le plein. Comment c'est tourner à droite? Qu'est-ce que signifie tourner à droite? Tourner, c'est girar. Très bien. Mais à droite, c'est quoi? Tourner à droite. Girar, girar, voltear. Girar a la derecha. Oui, parfait. Girar a la derecha. Tourner à droite. Girar a la derecha. Voilà, super. Donc, on utilise le verbe prendre. Donc, vous prenez, c'est le verbe prendre. Vous traversez, c'est le verbe traverser. Vous continuez, on utilise le verbe continuer. Vous arrivez, c'est le verbe arriver. Et vous tournez, c'est le verbe tourner. Donc, tous ces verbes-là, vous pouvez les utiliser quand vous allez donner des renseignements à quelqu'un, comment arriver à un endroit. Prendre, traverser, continuer, arriver et tourner. Ces quatre verbes-là, vous savez déjà les conjuguer. Ces quatre verbes-là, vous savez déjà les conjuguer parce que ce sont des verbes de premier groupe. Donc, ils se conjuguent tous pareil. Todos estos cuatro verbos ya los saben conjugar porque son verbos del primer grupo. Se conjuga como s'appeler, manger, jouer. Tous ces verbes-là, ils se prononcent, ils se conjuguent pareil. Par contre, le verbe prendre, prendre, prendre signifie tomar, tomar, tomar. Y en español de Colombia, en algunas partes, o al menos en Medellín, es coja la derecha, coja la calle tal. Tome la calle tal. Ça, c'est prendre, tomar. Je prends, je tome. Je prends mon livre et je lis. Je prends mon livre et je lis. Je prends la rue de Faubourg-Saint-Antoine. Le verbe prendre, on va voir comment ça se conjugue. Parce que c'est un verbe différent qui ne se conjugue pas comme le verbe ici. Je prends, je prends, je prends, tu prends, on prend. Nous prenons, vous prenez, elles prennent. Je prends, tu prends, on prend, nous prenons, vous prenez, elles prennent. Ça, c'est la conjugaison pour le verbe prendre. Je prends, tu prends, on prend, nous prenons. Vous prenez, elles prennent, elles prennent. Ici, c'est un peu différent à la fin. Elles prennent, vous prenez, nous prenons, on prend, tu prends, je prends. Ici, vous voyez, même si ça s'écrit un peu différent, prend et prend, avec S, ça se prononce pareil. Tu prends, on prend, il prend, elle prend. Ça se prononce pareil, même si ici, j'ai mis un S. Donc, attention pour l'écriture. Il y a l'écriture en français, souvent, on a beaucoup plus des mots écrits que ce qu'on prononce. Mucha atención. Estos tres se pronuncian igual, aunque la escritura es diferente. Se pronuncian igual, attention. Par contre, cela, c'est différent. Nous prenons, vous prenez, elles prennent. Donc, retenez en tête la conjugaison du verbe prendre parce qu'on va l'utiliser après. Ok, donc on va passer maintenant à plus de vocabulaire. On va avoir plus de vocabulaire maintenant.
plus de vocabulaire cette fois. Oh, attention. J'ai perdu ma caméra. Voici quelques résultats du web. Ahora sí, volví. ¿Me escuchan ahora? ¿Ahora me ven? ¿Todo bien? ¿Ahora sí? ¿Volví o no volví? Ok, je crois que vous m'avez récupéré. Je suis désolée, il y a eu un problème. Je suis désolée, il y a eu un problème, mais bon. On est là, on est là. On arrive. Ok, vous me voyez. Voilà, donc, pour indiquer l'itinéraire. Pour indiquer l'itinéraire, on va avoir plus de vocabulaire. Plus de vocabulaire. Donc, il y a plus de vocabulaire parce qu'on a déjà appris un peu de vocabulaire, mais maintenant, on va apprendre plus. Vamos a aprender más vocabulario para indicar direcciones. Donc, ici, c'est tourner à gauche. Tourner à gauche. Tourner à gauche. Tourner à gauche. Tourner à droite. Donc, tourner à gauche. Tourner à droite. On avait déjà vu tourner à droite. Tourner à gauche. Voltear a la derecha.
Continuez tout droit. Continuez tout droit. Continuez tout droit et siga derecho. Continuez tout droit. Continuez tout droit. Prenez la première à droite. Prenez la première à droite. Qu'est-ce que signifie ça? Prenez la première à droite. Prenez la première à droite. Prenez la première à droite. Qu'est-ce que signifie ça? Prenez la première à droite. Hugo, oui, super. Luz, Dani, très bien. Vous êtes là. Merci. Tomar la primera a la derecha. Tomez la primera a la derecha. Prenez la première à gauche. Prenez la première à gauche, c'est la même. Prenez la première à gauche. On a plus d'autres, on a d'autres points de vocabulaire. Ici, c'est prenez la deuxième à droite. 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 Ensuite, ici, on voit une boulangerie et on peut donner des renseignements à quelqu'un. Passez devant une boulangerie. Passez devant une boulangerie. Passez devant une boulangerie. Si vous voyez la boulangerie, passez devant la boulangerie. Je passe devant une boulangerie. Qu'est-ce que signifie devant? Passez devant une boulangerie. Qu'est-ce que signifie devant? Qu'est-ce que signifie ce mot? C'est je suis devant ou je suis derrière. Je suis devant, derrière. Muy bien, Hugo. Pasar al frente, pasar delante. Delante. Delante ou al frente. Al frente, Marta, est en face. En face. Donc, devant est delante. Al frente, Marta, est en face de. Ça, c'est devant, donc al frente. Et delante. Pasar delante d'une panaderie. L'hôpital est au bout de la rue à gauche. L'hôpital est au bout de la rue à gauche. L'hôpital est au bout de la rue à gauche. Au bout de la rue. Au bout de la rue à gauche. Au bout. Au bout. Qu'est-ce que signifie au bout? Qu'est-ce que signifie au bout? Savez-vous qu'est-ce que signifie au bout? Au bout? Gladys, super! Byron, très bien! Al final, al final. Au bout est al final. Al final de la calle, à la izquierda. Ça, c'est au bout de la rue, à gauche. Au bout de la rue, à gauche. Mais vous pouvez bien dire au bout de la rue, à droite, ou bien au bout de la rue, tout court. Vous pouvez dire al final de la calle a la derecha, ou al final de la calle a la izquierda, ou al final de la calle, simplement. Ici, c'est traverser la rue. Donc, traverser la rue, on l'avait déjà vu. Aussi, les arenas, c'est très bien. Au bout, peut être también al fondo. Et Alexander, ça, c'est au coin. Esquina est au coin, au corner. Au corner. Au corner es esquina. Este es más que todo, es como al final de la calle o al fondo. Ici, c'est traverser la rue, traverser la rue. Au coin, au corner. Se dice au corner. Au corner. Si, se dice au corner. No, Laura, solo es para localización. Si quieres decir al final del día, c'est à la fin de la journée. À la fin de la journée. Pero puedes decir, Laura, je suis au bout de ma vie.
au but de ma vie es una expresión, ahorita te las escribo, au but de ma vie, es cuando dices como ya no puedo más. Je suis au but de ma vie. Estoy al final de mi vida. Pero en general, au but solo se utiliza como para direcciones, para dar como indicar dónde está un lugar o un objeto respecto a otro. Y enfin, c'est traverser la rue. On va traverser la rue. Voilà. Donc, on va faire maintenant notre petit moment pour pratiquer. Alors, avant de passer à ça, je vais vous écrire parce que s'il y a des questions ou réponses, je veux déjà le faire. Quiero saber de ahora si hay preguntas o hay respuestas. Preguntas o respuestas, me dicen. Sí, la expresión que le dije a Laura es je suis au but de ma vie. Es como, me voy a morir. Como, ay no, ya, me voy a morir. La gente dice eso, es como cuando le pasa algo muy trágico o está muy estresada, dice je suis au but de ma vie. Pero en general, au bout solo se utiliza para indicar al final o al fondo. Ahorita me preguntaron cómo se dice o en la esquina. En la esquina se dice au corner. Se dice au corner ou au coin. Dans les coins. La esquina se escribe le coin. Le coin. Le coin. No sé si había otras preguntas. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'exercice? Peut-être des questions que j'ai oubliées. Est-ce que vous en avez des questions avant qu'on passe à l'activité? Ok. Ça, c'est Edouard. Tu veux t'entraîner avec Waze. Maintenant, ça va être les prochains défis. C'est que vous mettez votre téléphone en français ou vous mettez Waze en français. Vous allez écouter tous les chemins en français. Ahora que escoger, ahora que poner Waze en francés y van a practicar para que Waze lee las indicaciones en francés. Así van a practicar. Le coin. ¿Cómo se dice? En la glorieta salir a la tercera salida. Au rond-point. Au rond-point, prenez la au rond-point. Así se dice glorieta. Vous prenez la troisième sortie. Así se dice. ¿Dónde es el hospital más cercano? ¿Où est l'hôpital? El hospital. Les plus proches d'ici. Si tu quieres decir cuál es el más cercano, es le plus. Si tu quieres decir el más cercano, es le plus proche d'ici. Le plus proche d'ici, le plus près d'ici. D'ici. Plus proche d'ici. Ici, je me suis trompée. What? Rond-point. Ok. Allez, ici, Chloé, comment ça dit? La cyclo-route, je crois. Je pense qu'il l'appelle plutôt la voie pour les vélos. La voie pour les vélos, je crois que ça s'est dit comme ça. Mais peut-être je me trompe. Je crois que cicloruta se dit la voie pour les vélos. Pero voy a buscar, porque no sé. Cicloruta.
Creo que se dice la voie pour les vélos, pero es así. Véloroute, ça se dit véloroute. Mais j'ai vu t'es une piste cyclable. Ok, je vois qu'il y a une personne qui répondre. Une piste cyclable. Une piste cyclable. Piste cyclable. Se puede dire l'hôpital est au coin droit de la rue. Tu puedes decir mejor, Byron, l'hôpital est au coin à droite. Tu peux dire au coin à droite. Pues, porque puedes decir como vous prenez la rue machin, pues tomar la calle tal. L'hôpital est au coin à droite. L'hôpital est en la esquina à la derecha. Est-ce que tu connais le numéro de le pompier des émergences? Voilà, j'ai. Tu me demandes à moi quel numéro des pompiers ou des urgences, Edouard? Ou qu'est-ce que tu veux savoir? No entiendo tu pregunta, Edward. Creo que vamos a pasar a ver el pequeño video. Vamos a pasar a ver el pequeño video. Y quiero que me digan si se escucha. Donc, ici, on va aller au collège à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est une ville en France. Clermont-Ferrand, c'est une ville en France. Aller au collège, le collège est le colegio. Es más o menos cuando los estudiantes tienen entre 11 y 15 años. Entonces, es como de sexto a noveno en Colombia. Aller au collège à Clermont-Ferrand. Donc, vous allez regarder la vidéo et vous allez répondre aux questions que vais vous poser après. Donc, faites attention à la vidéo, à ce qui est décrit dans la vidéo et surtout, faites attention aux enfants. Faites attention aux enfants. Parce que ce que je veux savoir, c'est une chose d'abord. Je veux que vous fassiez attention à comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin. Je veux que vous regardiez la vidéo et que vous répondiez d'abord à cette question. Comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin? Comment vont les estudiantes à classe pour la mañana? Quand je dis ça, je vais vous dire, c'est les moyens de transport. Je veux savoir, vous allez regarder. Comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin? Quels moyens de transport ils prennent? C'est ça que je veux que vous répondiez avec cette vidéo. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que vous avez compris la question? Comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin? Comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin? Je parle de moyens de transport. Je vois qu'il y a plein de oui, donc on va passer à la vidéo. Et vous allez d'abord me dire si ça entend. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Est-ce
Salut. J'attends le tramway. Tous les matins, je prends le tramway. Là, je traverse la rue et je prends l'avenue Julien. Donc, je prends la rue du Port et je passe devant la boulangerie. Ah oui, c'est ici. Donc là, je continue tout droit jusqu'à la place de Jaude. Donc, on est place de Jaude. Au bout de la rue, je tourne à droite. Je passe à côté de la mairie. Voilà. Donc, j'arrive place de Lille. Je descends le boulevard Lafayette et à droite c'est le jardin Lecoq. Je passe devant la pharmacie. Ok, alors, ok, comment est-ce que les étudiants vont en classe le matin? Donc, quels sont les moyens des transports qu'ils utilisent? Je vois déjà, il y a Edward qui a répondu, donc. Il va en trottinette, à pied, en tramway. Les skates. Et le tramvia. Oui, donc il y a plusieurs moyens de transport. Ici, je vous mets plus de moyens de transport. Donc, on peut aller à pied, ou en bus, ou à trottinette, en tramway, à vélo ou en voiture. Ça, c'est des exemples des moyens de transport. Ils peuvent aller à pied ou en bus, à trottinette, en tramway, à vélo, en voiture. Ça, ce sont des exemples. Alors, maintenant, pour chaque étudiant, je vais vous savoir comment est-ce qu'ils vont à l'école. Lui, comment est-ce qu'il va à l'école? Vous avez retenu comment est-ce qu'il va à l'école? Comment est-ce qu'il va au collège? Lui, il va comment? Comment va elle au collège? Lui, c'est le skate. Lui. Lui et elle. 1, 2, 3, 4. Donc, je vois Lucécile qui dit il va à pied. Oui, très bien. Il va à pied. Lui, il va à pied. On l'a vu, il marchait. Et les filles, ces deux filles, elles vont comment à l'école? Les deux filles, comment est-ce qu'elles vont à l'école? Comment est-ce qu'elles vont en classe? Les filles. J'ai vu voir les phrases complètes. J'ai déjà vu « il va à pied », « elle ». « Elle », « elles vont à pied ». Bravo, Lucécile. « Elles vont à pied ».« Elles vont à pied ».« Il va à pied », « elles vont à pied ». Tu peux dire aussi « Daniela Combalisa, elle marche ». Oui, tu peux dire ça. « Elle marche ».« Elle marche ». Lui, il va comment ? Il va comment, lui ?
Il va comment? À l'école. Regardez ça. Il utilise un moyen de transport différent. Comment s'appelle ça? Il va comment en classe? Lui. Il va comment en classe? J'avais déjà vu une personne qui a répondu, mais j'ai vu voir. Il va en trottinette. Ok, Elisa. Pour la trottinette, on peut dire soit il va en trottinette ou à trottinette. Pourquoi j'ai mis il va à trottinette ici? Il va à trottinette parce que ce n'est pas un moyen couvert, mais un moyen de transport couvert. C'est ça la différence. Et elle, elle va comment? Il va comment? Elle va comment? Quel moyen de transport il utilise? Pomper et marche. Marcher es caminar. Pomper, no conozco ese verbo, Edward. Elle va en tramway, bravo. Elle va en tramway. Elle va en tramway. Super. Il va à trottinette, il va à pied, elles vont à pied. Elle va en tramway. Alors, j'ai vu encore une fois une chose. On va regarder la vidéo encore une fois et j'ai vu que vous méditiez, vous allez vous concentrer sur les chemins des filles. Se van a concentrar en el camino que toman las niñas. Y quiero que me digan. Quels sont les noms des rues, des places et des lieux sur leur trajet? Quiero que me digan, se concentren sobre ellas dos nada más, no sobre los otros estudiantes, seulement sur les deux filles. Et vous allez me dire, quels sont les noms des rues, des places et des lieux sur leur trajet? Quiero que me digan cuáles son las calles, las plazas o los lugares que ellas atraviesan en su trayecto. Vamos a volverlo a ver. Attention aux deux filles. Bonjour. Attention et à les filles, aux filles, attention. Salut. J'attends le tramway. Tous les matins, je prends le tramway. Là, je traverse la rue et je prends l'avenue Julien. Donc, je prends la rue du Port et je passe devant la boulangerie. Donc là, je continue tout droit jusqu'à la place de Jeux. Donc, on est place de Jeux. Au bout de la rue, je tourne à droite. Je passe à côté de la mairie. Donc j'arrive place de Lille. J'aime bien cette fontaine, la fontaine est jolie. Ouais, elle est trop belle. Je descends le boulevard Lafayette et à droite, c'est le jardin Lecoq. Je passe devant la pharmacie.
Ok. Alors, dites-moi, quels sont le nom des rues, des places et des lieux sur leur trajet? Attention à la conjugaison, mais je vois. Rue du Port, place de Lille. Et quel autre endroit? Elle parle d'un autre endroit. La place des Jottes, c'était pas les deux filles, Sandy. C'était la fille qui prenait les tramways. Je vois déjà les noms. Donc, elle dit, elles prennent la rue du Port. Parce que c'est les deux. Elles prennent la rue du Port. Elle passe devant la boulangerie. Elle parle aussi de la boulangerie. Elle passe devant la boulangerie. Et elles arrivent à la place de Lille. Mais tu peux aussi dire j'arrive, je prends la place de Lille. Vilma. Bravo Alexandre, il dit, il passe rue du Port, il passe par la boulangerie, la place de Lille. La place des Jottes, Sandy, c'était la fille qui prenait le tramway et les garçons qui marchaient. Nidia, ils sont pris et c'est passé composé. Ça, c'est passé composé. On n'a pas encore vu le passé composé, mais c'est bien écrit. Nidia está bien escrito, pero todavía no hemos visto el pasado compuesto porque apenas estamos empezando. Todavía no es el tema para ver. Mais je vois, super pour vous. Et tant qu'on a encore une minute, comment vous avez trouvé la vidéo? Est-ce que c'était plus facile à comprendre, plus difficile? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était compliqué, la vidéo? Est-ce que la vidéo était compliquée ou vous avez compris? Est-ce que vous avez compris les enfants qui parlaient sur la vidéo? ¿Entendieron el video? ¿A los niños que hablaban? ¿Cómo les fue? ¿Cómo ça a été? ¿C'était facile? ¿C'était difficile? Est-ce que les questions étaient compliquées ou elles étaient faciles? C'est facile. Ok, bah, très bien. Compris, j'ai compris, bien compris. Ok, super. Bah, j'avais encore une dernière question, mais c'est la fin. Donc, je vous dis... Merci beaucoup pour ces cours à nouveau. Merci beaucoup de votre participation. Comme d'habitude, vous allez retrouver un peu après, à la fin de ces cours, la présentation avec des exercices en plus pour vous entraîner. Et souvenez-vous et rappelez-vous que la prochaine fois que vous allez avoir cours, c'est le mardi 7 septembre avec David. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée pour ceux qui sont en France ou en Europe. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.